Alors maintenant, battre les œufs. Battre les œufs. Salut. Ah, salut Virginie. Excuse-moi là, mais je suis très très occupée. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de préparer un vrai petit déjeuner pour Monsieur Gérard. Parce que tu comprends, les tartines, le thé, tout ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant dans son état. Ah bon, tu crois? Mais oui, j'en suis sûre, c'est pas assez nourrissant. Ah oui. Ah ouais. Mais enfin, si on m'avait dit que la cuisine c'était aussi difficile, je m'y serais mise hier soir. Parce que là, Monsieur Gérard va arriver et ça va même pas être prêt. Mais tu veux pas que je t'aide? Non, non, ça va aller, ça va aller. C'est vrai, hein? Mais oui, t'inquiète pas. De toute façon, je peux très bien me débrouiller toute seule, je suis un vrai cordon bleu. Ah non, ça je savais pas. Moi non plus, mais enfin tu sais, c'est pas très difficile. Il suffit de lire dans le bouquin ce qu'il y a écrit et puis voilà. Je peux te regarder? Bah si tu veux. Alors, maintenant, ajouter le sel et le poivre, pardon. Alors, sel, le poivre. Pourquoi tu mets trop de sel là? Ah non, non. Du tout. Tu sais, pour avoir un garçon, il faut manger beaucoup de sel. J'ai lu ça dans un bouquin. Oui, bon, bah écoute, Annette, si t'as plus besoin de moi, je vais y aller. Mais je croyais que tu voulais regarder comment je faisais la cuisine. C'est très instructif, mais je suis vraiment obligée de partir. Bon, mais tu vas où? Bah là, je vais à la cafétéria prendre un pot avec Jérôme. Ah d'accord, je comprends pourquoi tu ne veux pas être en retard. Eh oui, bon, à tout à l'heure. Pas de bêtises. C'est promis. Bon, où j'en étais moi avec tout ça? Alors, le fromage râpé. Ah oui, le fromage râpé, évidemment. Dans une omelette au fromage, il y a du fromage râpé. Bonjour Annette, qu'est-ce que tu fais? Bonjour Monsieur Gérard, je suis en train de vous préparer un super petit déjeuner. Dans votre état, il faut bien se nourrir le matin. Tu crois? Mais oui, c'est évident. Alors, avec la recette que je vous ai préparée, vous allez vous régaler. Et qu'est-ce que tu me prépares de bon? Alors, une omelette au fromage, vous allez m'en dire des nouvelles. Une omelette? Ben oui, vous adorez les omelettes? Ah oui, oui, j'adore ça, mais le matin, t'es sûr? C'est évident. C'est plein de protéines. Et dedans, j'ai mis pas mal de sel. Vous savez, pour le garçon. Non, 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 non. Vous restez là. Vous touillez et moi, je vais répondre. Oui, oui. Oh bah oui, bah moi aussi. Enfin, t'aurais quand même pu prévenir que t'arrivais, hein. Mais non, je t'ai dit que je voulais te faire une surprise. Ah oui, bah ça, pour une surprise, c'est une surprise, hein. Pour un peu, tu trouvais personne à la maison. Oh, écoute, t'étais là, c'est l'essentiel. Ah oui. Oui, mais dis-moi, c'est vraiment incroyable ton histoire, là. Ah bah ça, je te fais pas dire. C'est vraiment fou que j'ai gagné un voyage en Europe juste pendant les vacances. Eh oui, mais ça a été vraiment aussi simple que ça? Ben oui. Bon, j'ai vu la pub dans le magazine. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? J'ai lu les questions et elles m'ont semblé faciles. Alors j'ai répondu. Et puis 15 jours après, je recevais une lettre me disant que j'avais gagné le voyage à Paris. C'est formidable, hein? Enfin, t'aurais quand même pu me dire que t'arrivais, comme ça je serais allée te chercher à l'aéroport. Hein? Écoute, Roger, je suis une grande fille maintenant, je peux quand même prendre un taxi toute seule. Et puis c'était tellement super de te faire la surprise. Bah oui, t'es une grande fille, mais pour moi, tu seras toujours ma petite fille. Ah, vous m'avez vraiment manqué, Marie et toi. Bah toi aussi, tu nous as manqué. Enfin, je dois t'avouer que j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, hein. Tu sais, avec tous ces départs et toutes ces arrivées. Mon pauvre Roger, quand tu crois qu'il n'y a plus de cousine, il y en a encore. Eh oui, oui. Enfin, là, j'ai parlé avec ta mère, on a fait le point sur la famille, et là, je crois que le stock est épuisé. Enfin, j'espère. T'as pas de chance, hein. Il n'y a pas un seul garçon. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? On a toujours été très doués pour faire des filles dans la famille, hein. Enfin, tu vas voir, là, ça va changer. Je suis sûre qu'on va avoir un garçon. Tu sais, après Hélène, moi, enfin, on dit jamais 203. Bah, tu voulais un petit frère? Mais oui, je te fais marcher. Ah, bon. On va voir maman chez mamie ce soir?
Mais oui, mais t'inquiète pas pour elle. Tu connais ta grand-mère. Marie est aux anges, elle arrête pas de se faire chouchouter. Et puis en plus, l'air de la campagne, c'est meilleur pour elle, hein. Et aussi pour ton petit frère. Elle est un petit soin pour maman. Ah oui, elle est exactement comme Annette avec moi. C'est vrai, j'ai oublié, dans ton état. Sacrée Annette. Oh, elle est adorable, tu sais. Tu sais que ce matin, elle m'a préparé une omelette pour le petit déjeuner. C'est normal, c'est ma meilleure amie. Faut bien qu'elle prenne soin de mon vieux père. Eh oui, elle a ses deux hommes, Joël et moi. T'as vu à quelle vitesse elle est partie tout à l'heure pour la rejoindre, Joël? Bah, tu sais, c'est normal. Faut vraiment que je t'aime très fort pour rester avec toi au lieu de courir rejoindre mon Jérôme. Mais tu sais que je suis très flattée, hein. Puis aussi, je suis très fière de toi. C'est génial que t'aies gagné ce concours. Tu sais que t'es très intelligente. Oh oui, je sais. Je tiens de mon père. Eh ben alors là, bravo. Oh, alors, ouais. Là, ça, c'est du temps. D'entrée, d'entrée. Ah, ouais, facile. Non, vas-y, facile. Vas-y. Incroyable. Ouais. Ouais. Prendre son temps, tu vois. Ouais. Ça, là, ouais. Le secret. Oh là 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 là. Est-ce que j'aimerais jouer comme toi, lui? T'inquiète pas, Bernard. Ça fait des années qu'il s'entraîne. Bientôt, tu y arriveras, j'en suis sûre. Ouais, le jour où il arrivera à séduire les filles. T'inquiète pas, je sais que tu sais. Ouais, enfin, tu sais... Dis-moi, Luc, tu crois que j'y arriverai un jour? À quoi, séduire les filles? Ben non, 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 à jouer aussi bien que toi. Ouais, tu sais, quand on veut quelque chose, en général, on l'obtient. Il suffit d'y croire, et puis de s'entraîner. Ouais, enfin, sauf qu'avec les filles, il suffit pas d'y croire et de s'entraîner, hein. On n'y arrive pas malgré ça. Bon, ben, tu viens, on va manger une glace. Ouais, si tu veux, ouais. À tout à l'heure, Luc. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est les filles, c'est vraiment pas sympa de lui avoir dit ça. Regardez, vous lui avez fait de la peine. Ah oui? Non, moi, je crois qu'on a plutôt été sympa. Non, mais c'est vrai, avec la tête qu'il a, il aura du mal à avoir du succès. Autant qu'il en soit conscient tout de suite, si tu veux. Ouais, vous êtes bien placées pour parler, je crois, toutes les deux. Si vous étiez plus mignonne, peut-être que je me laisserais tenter. Tu peux parler, Luc. Mais quand on se fait souffler la fille qui vous plaît sous le nez, tu vois, en général, on est plus discret. Je vois pas ce que tu veux dire. Oh, j'ai très bien vu ta tête quand Virginie et Jérôme sont partis tout à l'heure, hein. Bah écoute, t'es gentille, Isa, tu te mêles pas de ça, d'accord? Oh non, non, laisse, non. Ça me touche pas du tout. Ouais, ouais, c'est ce que tu dis. Tiens, je me demande bien où ils sont partis. Qu'est-ce que tu en penses, Céline? Moi, je crois qu'ils sont partis dans un endroit tranquille. Très tranquille. Oh, tu veux dire un endroit où on peut s'allonger? Bon, maintenant, ça suffit, les filles. Tu vois que tu es jaloux? Je suis pas jaloux, mais j'aime pas qu'on dise n'importe quoi de mes amis. Tu es sûr que c'est n'importe quoi? Oui. Tiens, voilà ta chérie. Excuse-moi, j'ai pas le temps, là. Tu sais où est Jérôme? Écoute, il est parti tout à l'heure avec Virginie. Quoi? Avec Virginie? Oh mon Dieu, c'est terrible. Mais pourquoi? Ça, je peux pas vous expliquer tout de suite, mais il faut absolument que je les retrouve. Vous savez où ils sont? Non, mais moi, je me doute de ce qu'il faut. Oh, excusez-moi, il faut absolument que j'aille. Il faut que je les retrouve. On est bien comme ça, tous les deux. Tu vois que j'ai bien fait d'insister pour qu'on vienne. Ça, c'est sûr. Au moins, on est tranquille. Il n'y a personne pour nous espionner. Tu veux parler d'Isa et de Céline? Elles n'arrêtent pas de regarder ce qu'on fait. Ah oui, c'est vrai que c'est un petit peu ça. Ouais. Et pourquoi elles sont comme ça? À mon avis, c'est parce qu'elles sont jalouses. Comme t'es mille fois plus mignonne qu'elles. Tu trouves? Tu sais que je suis vraiment bien avec toi. Moi aussi. T'as les cheveux doux, hein? Et toi, t'as les mains douces. Virginie. Je ne dis rien. Tu crois pas qu'on est fou? Non. Moi non plus. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, parce que je repense à toi dans les bras de cet abruti de Jean-François. Ah non, tu vas pas me reparler de lui. Oui, mais moi, tu sais que ça m'a fait très mal de te voir avec lui. C'était fait exactement pour ça. Alors là, je vais dire, ça a vraiment marché. Ah, t'as bien joué ton coup, tu vois. Et toi, alors, avec Alexandra, tu crois pas que t'as été méchant? Ouais, mais moi, comme je croyais que t'étais vraiment amoureuse de lui, ben... Quoi? De ce bel être? Non, mais tu plaisantes. Il parle que de sport, il pense qu'au sport. Essaye d'être romantique avec lui, tu verras. Oui, oui, mais moi, j'ai pas vraiment envie d'être romantique avec lui. Ah, idiot. Mais dis-moi quand même, qu'est-ce que tu faisais avec ce type? C'est Annette qui a essayé de me jeter dans ses bras.
Sacrée Annette. Tu sais, il faut pas lui en vouloir. Elle voulait être gentille. C'était pour notre bien. Je lui en veux pas. Seulement, elle aurait dû se douter que, rien ne pouvait s'opposer à ce qu'on sorte ensemble. Oui, mais dis-moi. Et Justine? Quoi, et Justine? Qu'est-ce qu'elle a, Justine? Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu l'aimes encore, hein? Tu sais, Justine, elle est là, c'est vrai, mais elle est tellement loin. Puis pour l'instant, c'est surtout à toi que j'ai envie de penser. Oui, mais je veux qu'on soit bien d'accord et qu'il n'y ait pas de malentendu. Quand Justine rentrera, tu seras libre. Si on pensait plutôt à nous. À quoi ça sert de parler? Ah. Oh non, c'est pas vrai. Qui sait peut-être? Je sais pas. Si on faisait semblant de pas être là. Eh ben voilà une bonne idée. Mais Jérôme, mais ouvre-moi! C'est Annette. Mais Jérôme, je sais que t'es là, j'ai vu ta moto en bas, mais dépêche-toi, ouvre! Attends, j'ai une idée. Annette, sois gentille, je suis très fatiguée, je me sens pas bien, alors si tu pouvais revenir plus tard, parce que là j'ai vraiment envie de dormir. Mais Jérôme, mais arrête, je sais très bien que t'es pas tout seul. J'ai vu Joël, il m'a dit que t'étais partie avec Virginie, je sais qu'elle est là, mais ouvre-moi, c'est vachement important. Vas-y, ouvre. Bon, Annette, j'espère pour toi que c'est vraiment important. Jérôme, c'est terrible. Terrible. Mais qu'est-ce qu'il y a, Annette? Ben voilà, Justine. Justine est rentrée. Oui, oui. Regarde un peu la tête que fait Luc. À mon avis, il n'a pas digéré que Jérôme et Virginie partent ensemble. Et Joël, on dirait qu'il n'a pas vraiment apprécié la visite d'Annette ce matin. La tête qu'il a faite quand elle est partie sans l'embrasser. Écoute, si on allait s'amuser un peu. À mon avis, tu as une très bonne idée. Toujours sur cette machine débile. Ouais, enfin, la machine pas plus débile que certaines personnes qui nous entourent, hein. Je croyais que tu ne voulais plus qu'on parle de Bernard. Mais je ne parlais pas de Bernard. Je parlais de vous, mes chéris. Oui, bon, bah vas-y, Bernard, te laisse pas déconcentrer, tu vas claquer. Oui, vas-y, vas-y, Bernard. Oui, oui, ouais, ouais. Remarquez, c'est sûr, vous avez besoin de compenser. Attends, Isabelle, de compenser quoi? Luc, fais pas l'idiot. Jérôme et Virginie, ça te fait quand même pas plaisir. Ne réponds pas, elles essayent encore de remettre ça, tu vois. Bon, bah toi, le coursier, tais-toi. Parce que t'as pas plus de succès avec les filles que Luc, hein. Qu'est-ce que tu racontes encore? Bah, ta petite Annette, elle s'est pas tellement occupée de toi aujourd'hui. Oui, c'est vrai, excuse-moi, mais elle avait l'air très pressée de partir. Moi, à ta place, je me poserai des questions. Ah oui, elle était pressée, c'est tout. Oui, oui, pressée, pressée. Tiens, comme c'est étrange. Jean-François n'est pas là. Annette et Jean-François, Jérôme et Virginie. C'est fou ce que c'est romantique ici en ce moment. Oh oui, pauvre Joël et pauvre Justine. Bon, écoute, Céline, ne parle pas de Justine, elle n'est pas là. Oh, Justine! Oh, ben, qu'est-ce que t'as? Salut. Justine, mais... Ah bah ça alors, c'est... Mais alors, vous m'embrassez pas? Mais... Oui, plutôt des fois qu'une, mais... Je comprends pas, tu devais venir seulement cet été. Oui, je sais, mais j'ai gagné un voyage en Europe. Et me voilà. Bah, c'est génial. Pourquoi tu n'as averti personne? Parce que je voulais vous faire une surprise. C'est réussi, non? Ah bah, okay. Ça ouais. En fait, tu te rappelles de Bah Zine? Oui, bien sûr. Bonjour. Et alors, lui, c'est Bernard. Bonjour. Bonjour. Eh bien, bravo, Justine. Bonjour. Bonjour, Isa. Bonjour, Céline. Salut. Jérôme n'est pas avec vous? Jérôme, non. Pas pour l'instant. Non. Oui, et tiens, Virginie non plus. Oh, comme c'est bizarre. Pourquoi vous dites ça? Oh, bien, tu sais, ta cousine Virginie, elle s'entend plutôt très très bien avec Jérôme. Non, mais qu'est-ce que vous racontez, les filles? Non, elle raconte n'importe quoi. Oui. Ils sont avec Annette. Tu vois, elle est pas là non plus. Une preuve. Oui. Bon, ben, tiens. Salut tout le monde! Oh! Mon Jérôme, mais t'étais où? J'étais avec les filles. Ah, bah oui.
t'acheter un cadeau de bienvenue. On ne l'aura pas tout de suite, on l'aura que ce soir. Oh, mon Jérôme. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Mais nous aussi, tu sais, on est vraiment tous contents que tu sois là. C'est quand même une chance d'avoir gagné ce concours. Ah bah ça, tu l'as dit. Et toi, Jérôme, t'es content de me revoir? Quelle question. Bien sûr, je suis content de te voir. Bon, j'irai pas. Bah, écoute, la meilleure preuve, Justine, c'est qu'il a abandonné le flipper. Ah oui, bah ça, pour une preuve, c'est une preuve. Excuse-moi, j'ai rien dit. Je suis vraiment heureuse d'être avec toi. Mm-hmm. Ça, c'est pas la peine de le dire, ça se voit. J'étais excitée comme une puce dans l'avion. J'ai pas fermé l'œil. Ah ouais? Ouais, je pensais que tu me serrais fort dans tes bras. Vas-y, serre-moi fort. Encore plus fort. Arrête de m'étouffer. C'est vrai que des fois, l'amour, ça peut devenir dangereux. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont mignons, tous les deux. Oh, dis, Virginie, tu veux boire quelque chose d'autre? Non, ça va, merci. Ça te plaît, Paris, Virginie? Oui, c'est une ville superbe. Et mes copains, ils ont été gentils avec toi, au moins? Adorable. Eh ben, on est passé près du gouffre, hein. Si elle avait dit la vérité... Surtout, si Jérôme t'embête, t'hésites pas à me le dire, hein. D'accord. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, 5 ans? Ah oui, 5 ans, oui. Remarque, t'as pas changé, enfin, presque pas. Elle est mignonne, ma cousine, vous trouvez pas? Ah, si, vraiment, oui. Enfin, ça, je crois que cette famille... Oh, quel flatteur, Luc. Méfie-toi, Virginie, Luc est un vrai playboy. Tu exagères. Mais non, c'est vrai, moi, je suis complètement d'accord. Si j'avais pas eu mon Joël... J'aurais facilement craqué. Et tu restes longtemps ici? Non, que 15 jours, hélas. Après, il faut que je reprenne mes cours à Los Angeles. Et toi? Bah moi, tu sais, ça dépend de mes parents. Mmh. Remarque, c'est bien que tu sois là, parce que comme ça, Roger est pas tout seul. Tu me remplaces, quoi. Ah, j'avais oublié, je dois passer voir Marie ce soir avec Roger. Tu viens avec moi, Annette? Bah, si tu veux. Je viens aussi, si tu veux. Non, non, reste ici. Je te confie Jérôme. Et puis nous, bah... On se voit tout à l'heure, d'accord? Oui, d'accord. Tu crois que les autres ont fait exprès de nous laisser tout seuls? Ouais, je crois, ouais. À quelle heure tu dois retrouver Justine? Je sais pas. Elle m'a dit qu'elle passerait me voir en revenant chez sa grand-mère. Tu devrais y aller, là. Elle va t'attendre. Ouais, t'as raison. Jérôme, tu te souviens de ce que je t'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que tu m'as dit? Je voulais pas qu'il y ait de malentendu entre nous. Que dès que Justine serait rentrée, tu serais libre. Mais oui, mais on savait pas qu'elle allait rentrer si vite. C'est pas le fait qu'elle soit rentrée vite qui est important. C'est ce que j'ai dit. Elle est rentrée. Tu es libre. Virginie. Non, Jérôme. Occupe-toi de Justine. Et toi? Moi, t'inquiète pas. On a failli faire une grosse bêtise. On y a échappé de justesse. Tu crois vraiment que c'était une bêtise? Non. Mais je préfère me dire que oui. Allez, vas-y, Jérôme. Elle va t'attendre. T'es sûre qu'il faut que j'y aille? Oui, je suis sûre. Bon, bah alors j'y vais. À plus tard. À plus tard. Je peux m'asseoir? Oui. Salut, je m'appelle Luc. Je m'appelle Virginie. Quelque chose à me dire, Jérôme? Comment t'as deviné? Bah, tu sais, je te connais bien. C'est dingue, ça, hein? Jamais j'arriverai à te cacher quoi que ce soit. T'as failli craquer pour Virginie? Ouais, c'est ça. Tu vois, je l'ai senti. Enfin, dans tes lettres, on sentait qu'elle te plaisait. Je suis désolé. Mais t'as pas à être désolé. C'est normal qu'elle te plaise, c'est ma cousine. T'es génial. Je sais. Bon, c'est vrai, n'importe quelle fille m'aurait fait toute une histoire à cause de ça et... Oh oui, mais tu sais,
Tout le monde a ses petites faiblesses. Oui, ben, si on veut. Puis, tu sais, moi aussi, j'ai failli craquer, alors bon. Quoi? Attends, comment ça t'as failli craquer? Bah oui, moi aussi, j'ai failli craquer pour un garçon, donc bon, bah, je peux pas t'en vouloir pour Virginie. Et c'est qui? Il s'appelle Tom. Et c'est qui, ce Tom? Bah, un copain. Ah ouais, ouais, mais ça, j'avais compris, merci. Et tu l'as connu où? Il a quel âge? Il est mignon, t'es amoureuse? Non, mais... Attends, Jérôme, doucement, je peux pas répondre à toutes tes questions en même temps. À laquelle tu veux que je réponde en premier? Je sais pas, tu choisis au hasard. Bon, bah, je vais essayer de te répondre dans l'ordre. Hmm? Tu penses pas qu'on serait mieux sur le lit? Pourquoi pas? Bon, alors, la première question, c'était... Où on s'est rencontrés, c'est ça? C'est ça. Eh ben, je l'ai connu en boîte. Ah oui, d'accord, mais... Je t'ai dragué, vous avez dansé ensemble, et hop, vous êtes embrassés, c'est ça? Mais non, pas du tout. Justement, j'ai failli craquer parce que... Il est pas du tout sauvage. Hmm. Bon, ma deuxième question. Quel âge il a? Une vingtaine d'années. Ah, donc il est beaucoup plus vieux que toi. Oh, faut pas exagérer, je vais avoir 17 ans. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Bah, dans la vie, il fait une école de cinéma, il veut être metteur en scène. Oula, donc je ne peux absolument pas rivaliser. Bon, Jérôme, tu veux savoir la suite? Non, je vais peut-être m'arrêter là, tu vois, parce que je pense que j'en ai pris pas mal déjà, tu vois. Donc je vais digérer tout ça. Mais écoute, bon, tant pis, je te raconte quand même la suite. Au dernier moment, j'ai pensé à toi. Et j'ai dit non. C'est vrai? Bah oui, sinon je serais pas là. Tu veux savoir la vérité maintenant? Je le savais, t'as craqué. Mais non, je te l'aurais déjà dit. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, quand j'ai fait ce concours, je me suis dit que si je venais pas à Paris, je craquerais pour lui. Et puis tu vois, j'ai gagné. Nuance, on a gagné.